Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo flash dans laquelle je vais vous montrer mon exercice favori que je pratique moi-même le plus souvent possible. Tout à l'heure, je l'ai fait en attendant le tramway, assis sur un banc sur le quai. Donc, je vous montre exactement cet exercice. C'est très simple. Vous pouvez le faire n'importe quand. Il suffit d'être assis. Donc, c'est ce que j'appelle l'exercice d'étirement assis, position de la chaise. Donc, voilà le mouvement. Je vous mets de côté pour que vous voyez bien. Les bras vont vous servir de vérin, donc vous allez corriger la posture. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous montrer comment il fallait se tenir, c'est-à-dire ne pas se tenir en symphose, mais bien caler la partie lombaire et la tête bien droite. Un pas de tête en avant, pas de rein arrondi, mais au contraire bien creux et bien droit. Ensuite, vous allez utiliser les mains. Vous appuyez en vous appuyant sur vos genoux et vous allez baisser vos épaules. Alors, pas d'épaules en l'air comme ça, mais les épaules bien en bas. Alors voilà, c'est très simple. Vous voyez, ça prend une minute. Vous poussez, vous inspirez, vous poussez sur vos mains. Alors, vous voyez, regardez ici. Vous allez voir la tête qui se... Regardez. Voilà. Et en fait, vous vous grandissez en poussant sur vos mains. Vos bras vous servent de vérin. Donc, vous poussez, vous étirez votre colonne vertébrale grâce aux épaules et en même temps, vous soulagez vos épaules. Alors, on pousse, on maintient la posture, on respire tranquillement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous sentez en même temps vos abdominaux qui travaillent. Non seulement vous faites travailler les muscles du dos en étirement, hein, voilà, vous poussez en même temps vers le haut, vous poussez sur les mains et vous poussez la tête vers le haut. Donc, vous provoquez une décompression de l'ensemble de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en faisant travailler des petits muscles qu'on appelle les muscles paravertébraux. Alors, on le refait une fois. Alors, vous faites en même temps, moi. Hein. On pousse, on grandit. Voilà, on grandit, on grandit, on grandit. On maintient. Alors, tout à l'heure, j'ai compté, je tenais à peu près une minute sans fatiguer. Au bout d'une minute, ça commence à fatiguer, donc vous relâchez. Sans vous abâchir, et vous recommencez. Et vous pouvez faire ce mouvement 3-4 fois. Lorsque vous travaillez au bureau, eh bien, ça fait partie du programme. Vous faites ce mouvement 3 fois toutes les 30 minutes, toutes les 45 minutes, plus les autres mouvements que je vous ai montrés sur la vidéo spécifique gym du dos au bureau. Voilà, ben, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, bien, merci de marquer j'aime. Partagez-la avec vos amis. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Et dans tous les cas, bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.